Amen. Ami. Pour ceux qui sont sur le forum, ils vont constater que le père de la maison a décrété cette soirée une soirée de prière. Si un homme pour prier, il y a un Dieu pour. Dis mon frère, on veut prier. Alléluia. Amen. Micro. Amen. Amen. Je ne veux pas le surplace. Amen. Je sais que tu es trop spirituel. Et je prie que tu sois plus spirituel encore. Mais en toi, il y a le mouvement. L'esprit et l'être. Donc, quand tu seras en train de marcher dans la salle, pendant que tu prendras les requêtes de prière, ainsi, je vois les problèmes insolubles se déplacer de ta vie, quitter complètement ta vie. Je vois le mouvement d'argent entre ta main, sans dire, la première requête. Tu vas dire toute main d'affliction qui est engagée contre ma vie, contre ma destinée maritale, pour toujours me faire pleurer, pour que je ne me sens jamais dans la paix, dans la joie. Toute main d'affliction dans ma santé, et tout le temps c'est les médicaments, c'est les maladies, toute main d'affliction qui fait que je ne suis pas stable dans une relation. Toute main d'affliction, Rekebo qui travaille contre ma vie, ma destinée, coupée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main d'affliction qui travaille contre ma santé, qui travaille contre ma finance, qui travaille contre mon foyer, au nom de Jésus, que sa main soit coupée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yakata bababa, Zanta la bayata, Raduga daya bayanta kata, Zadaya Rabayanta kata, Zanta la ba, Zanta la ba, Haya bayanta, Kala bayanta kapa, Raduga daya ta, Zanta tata, Radaya taya ta, Radaya taya ta, Zabayanta kata, Radaga daya ta, Zanta kata, Zanta kata, Radaya bayanta, Rabayanta Rata
allons prier. Amen. Ami. Nous allons toujours continuer de crier contre les mêmes méchantes. Amen. Ami. Un couple allait dans un restaurant. Et il s'est fait que la propriété du restaurant, c'est la parenté d'une de nos filles. Amen. Ami. Dans les échanges, cette parenté propriétaire du restaurant, vous aussi, vous allez à cette église, j'ai trois de mes enfants qui vont. Comme je leur parle, ils ne veulent pas quitter l'église. J'ai déjà fait sortir deux. Amen. Amen. La troisième, qui continue de s'entêter, j'ai son médicament aussi. Je vais juste mélanger. Elle et les gens qui ont l'église. Elle va leur faire des choses extraordinairement mauvaises. De sorte qu'eux-mêmes, sont obligés de lui dire pardon, faut partir. Amen. Ami. Non, ça dit c'est récent. Et alors, j'avais trois dedans. Amen. Et s'il vous plaît, les deux qu'elle a fait sortir. Bon, je vais m'y aider de ton lait. Vraiment, si vous voyez leur état. Et elle me dit, la troisième, qui continue de s'entêter, j'ai son médicament, je vais mélanger sa vie, je vais la mélanger, elle va faire des choses, on ne peut pas faire un homme, et les gens seront obligés de la libérer. Ça va être au prix de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur, sous main, qui a été mandaté pour mélanger ma vie, pour me déconnecter de mes lieux de bénédiction, de mes bienfaiteurs. Seigneur, que de pareilles mains soient jugées, qu'elles soient paralysées, et là nous commençons à prier. Rakababa, Maya Rakataba, les Brakaba Shataba. Le brakaba ya baba, maya rakataba, zigara kataba, toutes mes maléfiques qui travaillent pour me faire sortir de mon lieu de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, que ces mains soient paralysées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le brakaba ya baba, maya rakataba, rekaba baba, rakatata shata baba, rakata. Zekepo Shabadili Ila Karakuntabaya Mandi Lebalaba Shataba Kopobosh Hak Getete Igege Bayaba Reketete Maketete Pashata Budu Zigeba Lebele Balaba Maketete Zekete Po Pakopopo Zikatata Rekoba Zatata Mandala Ratata Rakata Pashata Baba Igatata ya, rakatata ya bala, randa da da baya da le baya, reke ba ba baya bala la ba, randa da baya bulu baya ba, rakata baya bala ya, make baya bala la ba, reko bo 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 la ba, paka pa pa pa, silakan baya dia, ilelele, belelele belelele, bele pa shanti di, kiko po po shete te te, make te te le bele pa kata. Zelebele pakata baya satata, zababu biya paliye, lambika baya mudulubi, zepa wapi ayere, biba ye biye, biba ye biye, e biye babia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, Jésus, toi, mi odelote. Et là, oui. Et là, lui, il est trop petit. Je vais aller le confier aux anciens. Bon, il a réglé cas et ton. Et ils vont lui régler son cas. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les méros là, non? Ma Bible dit, dans Nombre 23:23, l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. C'est pourquoi tu vas élever ta voix.
n'importe où. Fidèle, mon cas était confié. Ah. Hey. N'importe quel couvent de la sorcellerie. Validé, où mon cas était amené. Seigneur, tu es le Dieu ouais, qui répond ouais. Par le feu. Zala, 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 Il y a les requins qui viennent. Ni dans des gorilles les voix. Je n'arrive pas à trouver leur traduction en français. Bon, ma part, comment tu y es? Mais non, je veux que mes yeux amen. N'importe quelle œuvre méchante, dis-moi confie pour prendre mes mains et je vais gâter ma propre vie. Oh mon Dieu, j'arrête ces œuvres. Oh, je ne veux pas faire ces œuvres. Les bachataba. N'importe quelle œuvre méchante qui m'a été confiée afin que je puisse détruire ma vie de mes propres mains, que ces œuvres s'arrêtent. Je ne veux pas accomplir ces œuvres. Les brakababa. Zadou. Marakataba. Raduyata. Pachapapaba. Raduaya. Rakapachapa. Ipayata. Pakapachapa. Zatatata. Pakapachapa. Ratatatata. Ratatatayata. Zantalapa. Radugadayapayata. Zakapayata. Zakapayata. Zikalaba. Kayabababa. Ratabalaba. Zatatata. Rigababababa. Zakatatata. Rigababa. Rabalaba. Yatata. Rikapababa. Zatapayata. Rapayata. Zatalaba. N'importe quelle parole mauvaise que l'ennemi a mis dans ma bouche. Pourquoi je vais dire? Et cela sera un travail. Et il sera pris pour me détruire, Seigneur. Que ton Père fasse ces paroles. Amen. N'importe quelle parole mauvaise que l'ennemi a mis sur ma bouche, qu'il veut mettre sur mes lèvres. Bon, et cette parole amènera des problèmes de douleur dans ma vie et m'amènera à la mort, Seigneur. Que ton sang au travail et fasse sa parole au nom de Jésus-Christ. Zatata, Zatata, Yanda, Kosototo, Rada, Rada, Bayanta, 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 Ya ba 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 ya
Que la grâce soit surabondante dans la vie de chacun de vous. Que nous ayons la sagesse dans le langage. Amen. Parler n'importe comment, n'importe où. Minima de la parole est comme un œuf. Quand elle tombe, elle est ramassable. Amen. Ami. Regardez. Minipon. Quand le roi Saül est mort. Écoute. Regardez l'individu. Minipon. Qui a pris ses deux pieds. Des œufs. Attends, le roi David. Parce qu'il sait que Saül s'était déclaré ennemi de David. Et que ça va être un grand soulagement pour David d'apprendre la mort de Saül. Amen. Et lui-même de ses propres bouches, il allait dire que c'est lui qui a tué le roi Saül. Non, ce n'est pas lui. David a dit, Non, c'est toi. Tu n'as même pas eu égard à l'onction. Tu l'as tué. Comme tu as dit, que les gardes éliminez-le. Mais c'est la parole, non? Amen. Ami. Que la grâce nous soit accordée. Non, Jomioni, il n'a donc pas mis amen. Beaucoup sont dans des situations où mais sous sous-titre, nous disons, et ils ont dit une seule parole quelque part. Non, non, ils ont dû dire une seule parole quelque part. Amen. Amen. Et ça a été déplacé de son contexte. Bon, regardez les dogmes, c'est maintenant. Et ils se sont mis dans des situations compliquées. Que le Seigneur nous vienne en aide. Non, clou ni wana logo mito. Dis Seigneur. Donc clou non. Fais pas mes erreurs. Bon, nous tuwa chez les erreurs que je vais commettre. Nous tuwa d'un compassile. Un langage. Bon, yo, erroné. Et le papa prie. Oh clou non. Zakata, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malanta les plus sages vont insister sur ces requêtes chez eux. Tellement ça abonde dans ma tête que je suis obligé de stopper pour donner d'autres requêtes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention quand nous parlons. Amen. Amen. Dans toute relation, les paroles sont d'une importance capitale. Oh, holé, nous pataki. Une femme va dire, mon mari a dit telle chose. Il y a tant nombre d'années. Chaque fois que je le vois en train de dire ça me rappelle qu'il avait dit telle chose. Et qu'il n'y a plus aucun rapport. L'ennemi va lui dire, est-ce que tu te rappelles qui t'a dit non, que tu n'utilises pas bien les choses? Que tu vois seulement l'œuf, tu ne comprends pas la douleur de la poule. Et dès qu'il y a un petit problème, bon, tu te rappelles, tu avais traité de femme qui n'est pas économe. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi sache te tenir avec lui dans la maison. Donc, il faut considérer ton argent à part. Vrai ou faux? Nous ne voyons qu'à vivre là.
Amen. Amen. Des exemples, il y en a tellement. Donc l'une des prières que vous devez faire tous les jours. Seigneur. Mets à la porte de ma bouche une garde. Veille sur la porte de mes lèvres. Que de ma bouche. Sente toujours. Des paroles. Et une sagesse. Devant lesquelles. Nul ne puisse contredire. Ni s'opposer. Les paroles. Assaisonnées de sel. Accompagnées de grâce. Afin que je sache toujours. Quoi dire à chacun. Amen. You hear me? Asemia. On va prendre une autre quête. Nous allons prier contre toute forme de sabotage dont vous êtes victime dans les visions, dans les rêves des autres. Si je viens rêver et j'ai vu le frère X et j'ai vu que c'est lui qui me poursuit avec un couteau pendant que ce n'est pas lui, que c'est son propre papa, c'est sa propre tante. Amen. Amen. Malheureusement, parce que j'ai vu, je vais me fier à ça. Vrai ou faux? Amen. 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 Qu'est-ce que le frère va utiliser pour se dédouaner chez moi? Peut-être qu'il ne saura même jamais que je me suis réservé vis-à-vis de lui parce que j'ai eu un rêve. Pour garder mon saboté. Un rêve envoyé par Satan. Justement pour que je ne découvre jamais le véritable auteur de la calamité que je vis. Et je vous assure, une des stratégies que Satan trouve. Deux de nos enfants étaient réellement dans une rébellion terrible. Un couple. Et ils étaient réellement en train de nous. De nous défier. De nous demander la tâche difficile dans l'éducation spirituelle. Et nous utilisons toute sorte de sagesse. Pour les ramener à la raison. Et ils n'attendaient pas. Amen. Ami. Et ils ont eux-mêmes multiplié les jours de jeûne et de prière. Amen. Et les actes de rébellion. Et les choses sont réellement gâtées pour eux. Finalement, Dieu a eu pitié d'eux. Et leur a dit, pas dans les visions, pas dans les rêves, que votre problème, justement, c'est votre rébellion. C'est tout se gâte chez vous. Mais pendant qu'ils étaient dans la rébellion, regardez ce qu'ils ont comme vision. Ils ont eu à confesser cela. Au moment où ils sont venus se repentir. Et il fallait que papa prie pour eux. Ils ont dit, papa, l'une des choses qui ont fait que nous sommes endurcis dans la rébellion contre toi, dans les préjugés contre toi, dans un rêve, nous avions vu. Nous étions dans un trou. Et tu passais par là. Tu n'as pas voulu du tout nous sortir du trou. Alors que pour ces gens-là, j'ai veillé de prière. Nous avons eu à tenir. Mon mari et moi pour ces gens-là. Mais regardez ce que l'ennemi leur a fait. Dans le but de les achever. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quoi des choses? Nous avons compris que c'était réellement l'œuvre de l'ennemi. La preuve aujourd'hui, nous avons été les plus grands perdants. Tout est gâté. Mais nous savons que Dieu qui voit les cœurs, c'est que nous sommes réellement avec un cœur repentant aujourd'hui. Et papa a prié. Et ça a été le commencement d'une nouvelle génération de bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, non, le problème, ce n'est pas celui qui rêve. Tout le problème, c'est que toi-même, tu dois prendre tes gardes pour prier pour que l'ennemi ne te prie pas. Pour aller
régler son compte à quelqu'un. Now sing to claw ton amende. Que tu ne sois pas un instrument. Non, ni mais nous disons de plus. Que lui va utiliser. Et on a raison. Pour aller troubler la vie de quelqu'un. On a voulu me dire la personne va te prendre comme adversaire pour rien. Bon, mais tu as dit mais gratte ton amende pas pour. Amen. Ami. Vous avez vu, il y a ils ont eu à partager dans, sur les réseaux sociaux une histoire d'un pasteur. Amen. Ami. Et sa femme. Atiassie. L'église allait très bien. La maman pasteur, c'était une femme, une femme d'intercession. Et il s'est glissé. Une sœur. Elle venait de l'esprit de sorcellerie. Elle s'est infiltrée dans l'église. Et elle fait toutes les tâches. Tout le monde s'en va, c'est elle qui travaille. Elle va ranger les chaises. Elle va essuyer. Elle va faire ci. Elle va courir. Et tout le monde félicitait cette sœur. Amen. Amen. Et la sœur, est-ce qu'elle a eu du renom à l'église? Elle a commencé à visiter les gens dans les champs de rennes. Et elle parle maintenant le cours de maman pasteur et les fidèles d'église commencent à voir maman pasteur dans les postes du pavier. Et tout le monde commence à parler. Bon, mais là, quoi, Jehoroji? À parler contre la maman. Yé, Jehoroji, quand t'as l'ingotosiensi. Amen. Ami. Et l'église a commencé à être mélangée. Wa gula Jehoroji, maman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Wete wajo. Le pasteur. L'ingotolo. Un des diacres qui s'est rapproché. Donc, quand ton diacre, il est mais wa ton sekwa wodo eni hode. Parce que là, on voit trop ta femme après. Donc, finis-y, toi, si tu es mon gars, ton ouroule wa. L'intercesseuse. Où est privilège de l'église et de cet homme de Dieu. Ah, le pasteur dit un bon mot, ma femme. Dès que la personne est partie, le diable est parti. Cette sœur sorcière, je vous dis, si Dieu ne te fait pas la grâce, tu ne peux pas savoir. Tellement elle est gentille. Tellement elle est serviable. Tellement elle semble être fidèle. Elle aussi, elle est venue sur le pasteur. Respectueusement. Vraiment, pasteur, les choses qui se passent à l'église. Vraiment, est-ce que toi, tu ne vas pas prier? Parce que vraiment, j'ai vu maman. Maman, pasteur, Amen. Non, vous savez, les cas comme ça, ça nous donne l'inspiration pour prier. Amen. Quand j'ai lu ce truc, j'ai changé à cause de prière. La preuve que je suis en de vous donner là, le sabotage. Amen. Amen. Vous savez que le pasteur, au lieu de prier, vous demandez au Seigneur, mais c'est quoi ce que je suis en train de voir? Tellement les ondits se sont concordés que le pasteur a commencé à prier. Je demandais à Dieu d'enlever sa femme. Et il attendait un jour de jeûne juste pour que Dieu enlève sa femme. Et la dame, elle est morte. Bon, elle a coup, maman. Amen. Ami. Qu'elle est morte. Vous venez coup. Gri, boum. Gri, boum, boum. Le pasteur a épousé la sœur là. L'ingoto d'Anovion, vous venez. Je ne vous ai pas les détails. Dès qu'on est mort, donne un qui n'a pas encore lu cette histoire dans. Sur les réseaux sociaux. Qui a déjà lu ça? Tu as lu? Tu as lu? Ah, tu as lu? J'ai inventé? Tu as lu? Amen. Et le pasteur a posé cette sœur. Et il a commencé à se passer toutes sortes de choses abominables. Juste à ce que la sœur elle-même jette le visage, enlève le masque. Et le pasteur a su que c'était la sorcière. Et la seule personne qui gênait cette sorcière, c'était maman pasteur. C'est ça qui l'empêchait d'opérer dans l'église. Il fallait éliminer. Tu verras le reste. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur. Ah non, clou que ta lance et ton javelot poursuivent tous ceux qui sabotent les champs des rêves des uns des autres en utilisant mon identité. Que ta lance et ton javelot les poursuivent et ne t'auraient pris. Mais c'est
kabaya kabaya rakabaya baba baba manda kabasha taba baba rakatata shataba rakabaya baba rakatabaya baba zeketetete mande kete le brako boshata zikababa rakatata ya baba manda daba ya baba rakatata shataba baba makatata tata zataba ya baba rakatata shataba baba mande le le ziketete yeketete kosototo reketete maketete kosototo zelebelebele zikeke bobo bobo kosototo maketete mande bazara topa shataba yakataba shataba rakaba ya baba baba katatata makatata yakatata shataba baba baba rakaba baba baba Nous allons prier contre les accusations. Amen. Amen. Le poids des accusations. Marc 14. Verset 56. Et Marc 15. Verset 3. Asseyez-vous une minute pendant qu'on lit les deux versets. Et ensuite nous allons nous lever pour prier. Enchaînement, lisez. Marc 14, 56. Marc 15, 3. Bodego, Marc, ta photo, affouette ton tonton.
Vous y êtes? Mieux moyen. Vous faites semblant, hein? Comme vous êtes assis là, vous prenez tout votre temps. Parce que vous savez que dès que vous avez fini de lire, je vais vous dire, levez-vous, on va continuer de prier. Vous n'avez pas fait ça plus de 5 minutes, non? Maintenant, mon verset, les gens n'ont rien à dire. Pas rien, non, mais rien. Et là, font du blé, mon roi. Marc 14, verset 56. Je lis au nom de Jésus. Version le semeur. Car il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Pour apporter de faux témoignages contre lui. Pour apporter de faux témoignages. Mais ces témoignages ne concordaient pas. Mais ces témoignages ne concordaient pas. Amen. Ami. Je vous assure que beaucoup de femmes ne sont pas mariées à cause de faux témoignages qui ont été collés sur leur identité. Beaucoup d'hommes sont passés à côté des opportunités d'affaires qui pouvaient réellement changer le cours de leur destinée financière. Mais à cause des accusations, des faux témoignages, ils sont passés à côté. Puisque le Seigneur venait à l'aide à chacun. Les accusations. Si on t'accuse, hein, si Dieu n'est pas de ton côté, surtout ceux-là qui sont doués dans le métier, les employés du diable, les associés de Satan, qu'ils vont prendre, accumuler les deux, ni Dieu m'a tué, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que l'accusateur ne prendra jamais quelque chose au pif, non. Il va utiliser les temps et les circonstances. Il s'y prête. Amen. Ami. Alléluia. Vous savez, par exemple, au début du ministère, pasteur Rune, ma fille Laurette, bonne arrivée. Non, oui, Laurette Cabo. Tu te rappelles de pasteur Ruth? Elle était assidue ou pas? Elle dormait ici, non? Elle dorme le filier. Amen. Amen. Et quand il fallait que tu dormes ici, elle était obligée de venir dormir avec toi. Et moi, j'ai dorme le filier. Bon, toi, lui, tu as soumis à dame. Moi, ça ne va pas dire que ça va être vous deux là, il va faire la chose, non? Amen. Ami. Elle prenait soin de toi. Elle a oublié bonheur et Ganji. Amen. Amen. Est-ce que sa promotion t'a étonné? C'est normal. C'est le contraire qui t'aurait étonné. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Amen. Tu vas dire, Seigneur, Amen. Je crie à toi ce soir afin que tu arraches de la main de mes accusateurs tous les sujets qu'ils essaient de branler pour m'accuser. Et lève ta voix, prie. Que le Seigneur arrache les sujets d'accusation se concernant dans leurs mains. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Rakata
yata la ba yata 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 Zikabayata, 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 Radabayata, Kibayata, Yasasa, Rababa, Radababa, Yababa, Rababa, Papa, Yapa, Yabayata, Kabayata, Katabayata, Zelegata, Kabayata, Kabayata, Radabayata, Kabayata, Kabayata, Radabayata, Kabayata, Radabayata, Kabayata, Kabayata, Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. On dit au voilà apostel il est ton chapitre 9. Au tête ton chien est toi. À partir du verset 1. Verset 41. La Bible dit cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine hommes ou femmes il les amena liés à Jérusalem. Amen. Lève-toi. Amen. Fonchite. Nous allons prier contre les mandats. Mina hode kmata a chena menele. Que quiconque reçoit. De mede kpe oyi. Pour combattre ta destinée. Bonado toi wani biyo watoe. Pour nuire à ta vie. Bonado wanu ina kando kbezantwe. Pour nuire à tes intérêts. Bo wanu ina kando indakbetwele. Amen. Amen. Saul qui est devenu plus tard Paul. Saul ouais ne dévalez un Paul comme nous connaissons. Il allait prendre les lettres, les mandats. Afin de persécuter. L'Église de Dieu. Qui sont ceux-là? Mais nous menele. Qui sont en train de jouer ce rôle? Contre ta vie. Pour t'empêcher. Bonato grand lina oué. Refléter réellement la gloire de Dieu. Nani de gigotiwe ton do ya nungo. Bonato grand lina oué. Une vie chrétienne épanouie. Nani do zang bezan chrétienne ton vivo ton là. Là qui te poursuit. Yo wane le de monto nawe. Nuit et jour. Ton clair quoi sans quoi. Ouvertement. To yang bangbalé. En secret. Et mais ton nungo ya mon. Je veux que tu sois excité ce soir. On doit ni moi papa les wechi. Qui pour l'instant plus t'animer. Afin que tu réclames le jugement de l'Éternel. Contre quiconque a reçu pour mandat de surveiller ta vie afin de la détruire de quelque manière que ce soit. Amen. Est-ce que tu as compris le sujet? Quiconque a reçu pour mandat de te suivre ouvertement ou en secret en fin de nuit à ta destinée ou à tes intérêts, il va réclamer le jugement de l'Éternel pour les localiser, pour détruire le terrain.
Nous allons prendre une dernière requête. À cause du temps qui est vraiment parti. Et nous allons prendre un short message. Esaïe 65. Verset 23. La Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Quand ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. I like this one. Amen. Je prophétise sur ta vie. Tu ne travailleras pas en vain. Ta vie sur la terre ne sera pas vaine. Amen. Tu ne vas pas bâtir Amenai. Pour que ce soit d'autres Amenai. Qui vont juste du fruit à ta place. Amenai. Tu ne vas pas planter Amenai. Et pour que ce soit d'autres Amenai. À ta place qui vont jouer du produit de la vigne. Reçois la grâce de manger les meilleurs fruits de ton travail. Reçois la grâce que tes enfants soient en sécurité. Qu'aucun d'eux ne soit emporté prématurément. Comme Dieu te préserve, assister à l'enterrement de tes propres enfants. Que Dieu te pâte douleur. Ce soir, Dieu s'occupe de ton peuple. Et
Amen. Amen. Que tes pleurs cachés soient exposés aux yeux de l'Éternel. Qu'il essuie tes larmes. Qu'il te nourrisse du lait de ses consolations. Amen. Que ses compassions, sa miséricorde puissent te localiser et te repositionner pour être dans une joie ineffable, pour être restauré totalement. Amen. Ceux qui attendent, que leur attente soit belle. Que l'attente de tes ennemis soit belle. Leur attente te concerne, je déclare qu'elle est belle. En lieu et place, ils verront les cris de joie, d'allégresse, de victoire. Amen. Je vais entendre. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre au juste? Ils entendent d'autres témoignages. Ils seront forcés de suivre ton Dieu. Va et viens à la recherche de Dieu. Ne seront pas vaines. Le Dieu qui rémunère la foi. Ce Dieu localise. Ce lieu, Dieu localise tes peines. Et te soulage. Dis amen. Oui, dis maman again. J'enlève tes pieds. Du filet de l'oiseau. Je détache tes pieds. Des liens. Des forces sataniques. Des prisons sataniques. Que tes liens soient coupés. Déplace-toi dans le bonheur. Déplace-toi dans la faveur divine. Déplace-toi dans la grâce. Tu as donné ta tête. La tête est bénie. La tête est bénie. Une tête à laquelle on fait du bien. Une tête qui ne peut pas être rejetée. Tu as donné ta tête d'être élevé. D'être élevé. Et de rester élevé. Dans le nom de Jésus. J'ordonne la sécheresse. De lâcher plus de ta main. J'ordonne ta main. Tu as essuyé la honte. Où tu as dû baisser la tête. Je fais appel aux forces célestes, à l'ambition angélique, afin de relever ta tête à ces mêmes endroits. Que ta tête soit relevée. Ah, laissez-moi dire ceci en vous. N'importe quelle assemblée dans le quartier. Et tu as bien dansé. Tu n'as pas bien dansé. Ton ennemi ne va pas bien danser là-bas. Également. N'importe quelle assemblée. Ils ont tapé. Tu as dansé. Et ils ont dit que toi, tu ne danses pas bien. N'importe quel ennemi qui est pour toi ne peut pas danser là. Je te reviens là. Tu vas danser. Et tu vas bien danser. On va te donner de l'argent. Il doit me rendre. C'est spirituellement qu'on en juge. Il doit me rendre. Les bouches qui ont été mandatées pour te maudire, pour pronostiquer contre ta vie. Je condamne ces bouches. Qu'elles soient jugées. Qu'elles soient retranchées. Qu'elles soient condamnées. Dans le nom de Jésus. Amen. N'importe quelle idole qui reçoit des libations, qui reçoit de l'eau, de l'huile, ou du sang en ton nom pour te faire du mal. J'oblige tes ennemis qui se sont associés contre toi à tourner les hommes les uns contre les autres.
qui s'entretue, tu auras des nouvelles. On te le dira. On t'invitera pour être habitant, pour venir habiter. Tu vas dire non, Domino. Tu vas dire non, Domino. C'est ton histoire. Amen. Amen. Il faut écrire. Amen. Quand ils viendront t'inviter pour être habité. Et tu vas pouvoir répondre. Restez là-bas et résoudre votre chose. Reste là, dis-le de rester là-bas pour résoudre le problème. Ils vont s'entre. N'importe quelle place que mon Dieu t'a donnée. Et l'ennemi est en train de discuter cette chaise avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la tonnerre céleste t'enfuie. Que cela les détruise. Assieds-toi. Assieds-toi. Et si tu es assis. Fille, assieds-toi. Dans ton siège de gloire. Assieds-toi. Dans ton siège de victoire. Dans ton siège de toi-même. Dans ton siège d'autorité. Dans ton siège d'élévation. Et rien ne pourra faire. Quand tu quisses là, tu peux aller au sommet. Pour demeurer au sommet. Tu diras à un lieu moins que cela. Tu as dit non à cela. Amen. 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 Tu n'occuperas aucun fauteuil moins que celui que tu occupes. Amen. 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 Quand tu vas te déplacer, voilà, on a c'est pour aller au sommet. Amen. Point de bassesse pour toi. Oh, donnez-moi tu es condamné à ne pas aller en arrière. Je refuse ça pour toi. Je dis que je refuse pour toi. Que tu ailles en arrière. Tu as ce mandat. Prends ce mandat. Pour aller de progrès en progrès. D'élévation en élévation. D'excellence en excellence. De victoire en triomphe. Amen. Amen. Mazusa namakulata. Amen. Brakilata. Amen. Malita kulata. Amen. Malete kulata. Amen. Malete zuta. Amen. Makulata namakulata. Amen. Amen. Tu quittes la bassesse financière. Attention de toi, quoi le dit Amen. Regarde, tout rond, tout lié à l'argent. Comme tu as déjà eu à essuyer. Lève-toi. Je te déplace. On s'éteint. Je t'enlève de cette rond. Amen. Tout rond, tout financière. Oui, adéquat à quoi le dit. Dans laquelle tu es. Demi-attité. À partir de cet instant. Personne dreme. J'ordonne. Ndegbe. Un changement. Indiduade. Un bouleversement positif. Change, change, change de niveau, change de niveau. Change de niveau. Fais un mandat divin. Change de niveau. Change de niveau. Change de nouveau, de niveau. Dieu, amen. Si tu n'as pas encore atteint le niveau où quiconque vient te demander, tu puisses donner sans stress, sans réfléchir que j'ai été viré dans nous. Je t'amène à ce niveau. Te donner sans stress. Tellement il y en a, que tu es dans la surabondance. Reçois cette grâce. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser une question en ce moment. Est-ce qu'à mon âge, est-ce que je peux encore jouir de tout ce que maman est en train de dire? Attends, qui se pose la question que la personne a dit? L'Esprit de Dieu m'a dit ça. Que la personne vienne devant. Dieu est ton dans mon ami, dans mon ami. Nous devons être nés. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est pourquoi Dieu t'a dévoilé. Viens ici. Tu connais l'âge de Sarah? À quel âge Sarah a connu le miracle? Est-ce que tu as cet âge-là? Et pourquoi tu as pensé comme ça? Ce qu'on est en train de dire, cette prophétie-là, que mon âge est trop avancé. À partir d'aujourd'hui, cette forteresse est détruite. Reçois l'onction. Pour expérimenter les choses auxquelles tu n'as plus jamais pensé. Vivre. Receive that anointing. Tout devient possible pour toi.
Ce qui était compliqué, difficile, inimaginable, mon Dieu apporte la solution. La Bible dit que Sarah a ri. Elle a ri. Elle dit, oh, qu'est-ce que Dieu a donné? Dit comme ça. Avec mon âge là, je pourrais encore enfanter mon homme là, qui est déjà amorti. Est-ce qu'on peut encore avoir le désir? Et Dieu a vu. Dieu a entendu. Dieu a dit oui. Tu vas encore rire. Oui, ça arrivera. Parce que tu as pensé à cela. Que Sarah a eu à le faire. Tu expérimentes un miracle. Amen. Acclame le roi de gloire. Amen. La prophétie à laquelle tu crois est celle qui marchera pour dis victoire. Saute, dis victoire. Cours, partout dans la salle. Cours partout dans la salle. Célèbre ta victoire. Victoire, victoire. Amen. Amen. Je vais vous laisser partir. Par la grâce de Dieu, une autre fois, je vais faire ce message. Mon Dieu, mon Dieu, ton dernier milan a voulu que ça se passe comme ça. Oui, maman. Amen. Je ne veux pas que vous fassiez une indigestion. Amen. Je ne vous veux pas faire d'indigestion spirituelle. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Dieu nous accordera la grâce d'écouter le message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a voulu certainement opérer de cette manière. Uniquement de cette manière. Amen. Acclame le roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons donner nos offrandes. Minana, nous n'avons les offrandes bénies. Depuis derrière, apportons nos offrandes. Nous sommes ici demain. Pour l'évangélisation. Now and Agbelila. 9h ou 10h. Évangélisation. À partir de 9h. Dis voisin. Tu connais le mandat divin? C'est le gain des âmes. Reçois la grâce de venir les samedis pour vaquer à l'évangélisation. Amen. 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 Oh, Jésus. Des combats d'inondés à cette décaille. Au revoir à cette décaille. Tu es sauvé.
yanse de combo di non de me. Nous attaquons nawa ase de combo di non de me. Ase de combo, Jésus te yanse de combo di non de me. Nous attaquons nawa ase de combo di de. Ase de combo, Kruno te yanse de combo di non de me. Nous attaquons nawa ase de combo di non. Ase de combo. Vous êtes bénis. Amen. Amen.